Serf France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serf France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Atelier FG, c'est une société que j'ai créée en 2002. Nous fabriquons, installons principalement de la menuiserie métallique pour du particulier. Ma première expérience internet fut la création d'un site par un webmaster. Je ne trouvais pas ça spécifiquement indispensable, mais avec le temps, c'est très vite aperçu que globalement, ça devenait prioritaire. Nous avons donc mis en place ce site via ce prestataire. On a eu un retour positif sur les 3 premiers mois où on a fait quelques beaux projets. Sincèrement, on a fait vraiment des beaux projets. Mais au bout d'un trimestre, en fait, le fait de ne pas s'en occuper, de ne pas le faire vivre, de ne pas l'alimenter, ce site est très vite redescendu. Donc, très peu de contacts, très peu de retours. Il y a 3 ans, nous avons fait une formation qui s'appelle « Entreprendre et réussir », qui nous a permis de comprendre réellement le monde du travail, dans quelle époque nous étions, nous resituer. Et suite à un atelier marketing, on a bien pris conscience qu'il fallait communiquer, et essentiellement sur Internet. Historiquement, il y a eu un premier site et qui n'a pas fonctionné parce qu'il n'était pas mis à jour et donc n'avait pas de bon référencement. Ensemble, avec Monsieur Gallet, nous avons travaillé sur la stratégie que pourrait mettre en place ce nouveau site internet. Parce que tu as de la nouvelle production, des créations que tu mets en ligne. Avant de se lancer dans la création de son site internet, un dirigeant de TPE ou PME doit d'abord se poser la question de l'objectif du site. Est-ce un objectif de notoriété pour se faire connaître, notamment dans sa zone de chalandise, un objectif d'image ou encore de développer sa force commerciale? Et ça serait intéressant de l'avoir peut-être au-dessus, configurer ça autrement, parce que les photos, le visuel des photos n'est pas... Un site internet, il ne faut pas le voir comme une fin en soi. Il faut pouvoir l'intégrer dans une stratégie globale de l'entreprise afin d'affiner le cœur de cible de l'entreprise. Par exemple, pour Atelier FG, il y a une cible haut de gamme, premium, et il faut parler à cette cible d'une certaine façon pour se faire comprendre et pour ensuite en faire de ses visiteurs des clients. On a en fait sur un mur brut, on est parti sur une ossature tubulaire en inox. Ce à quoi il faut s'attendre en ayant un site internet en tant que dirigeant de TPE ou PME, c'est d'y passer du temps. Par exemple, chez Atelier FG, lorsqu'il y a une réalisation qui est terminée, M. Gallet prend des photos et me les envoie pour que je les mette instantanément sur le site internet. Il faut aussi être réactif lorsqu'il y a une demande de devis et pouvoir répondre dans les plus brefs délais pour ces demandes qui arrivent depuis le formulaire de contact du site. Et tout à l'heure, tu as mis fenêtre acier, je crois. Non, tu as mis menuiserie métallique. Oui. Et bien ça, je vais te montrer, en fait, il y a le lien. Quelqu'un qui a payé pour y être, et après il y a tout ce qui est naturel. Mettre à jour son site de façon très régulière permet notamment un bon référencement. Un bon référencement, c'est se trouver dans les premières places dans Google lorsque quelqu'un recherche, par exemple dans le cas d'Atelier FG, menuiserie acier, menuiserie métallique, dans le cadre d'une installation de véranda, de jardin d'hiver. Moi, mon métier, c'est de pouvoir faire vivre ce site internet. Il ne faut pas créer de la déception pour les visiteurs du site. Il faut justement créer tout le temps de la nouveauté. Et les ateliers FG produisent chaque semaine de nouvelles créations. Et mon rôle est de les valoriser via le site.
peut considérer qu'on a entre 8 et 10% de nos chiffres d'affaires qui est généré via ce site. L'objectif, c'est d'en faire 30%, voire 40%. Je pourrais mettre d'autres plans aussi sur le site. Je pense que l'outil Internet est indispensable. Et à terme, beaucoup de gens ne feront que ça, passeront que par Internet pour faire des demandes. Aujourd'hui, nous avons créé le site d'Atelier FG dans le but de faire un développement commercial plus intense. Ceci nous a donné des idées, notamment de créer une rubrique marchande cette fois-ci pour vendre du matériel prêt à poser pour les particuliers et donc de partir sur un site de e-commerce. Les entreprises ont besoin de l'outil Internet pour se faire connaître et pour rester présent sur le marché. Ne pas y aller, ça serait éviter des opportunités qu'on leur tend. Il faut savoir être à l'écoute de leurs besoins et les accompagner en fait dans ce sens. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.